C'est calme. Si Wassim, je suis en main là. Là, regarde une vidéo. Non, mais il y a la tête. Hein? La tête qui est devant. بونجور عجبتني واحد لا ريفيير بغيت نوريها لكم الوغ روغاردي J'ai trop aimé la rivière. Pourquoi? J'ai trop aimé cette rivière. Venez de voir. L'arbre de Noël qui lui reste jusqu'à lundi. Et pour aller se promener, rien de mieux que le petit sentier qui est sur notre gauche. Avec ce beau temps, on peut aller se promener tout le long de la rivière. Nous arrivons au troisième arrêt de notre parcours, le plus haut dans le polygone, celui du printemps, le Designer Gallery, à côté de la fontaine cascade. À cet arrêt, on peut bien sûr rejoindre le parking P1, le parking P2, le quartier des arcades, ou tout simplement le printemps. En souhaitant aux personnes qui nous quittent, et nous longeons bien entendu le plus grand des bâtiments de la Côte d'Azur. Pour la superficie, c'est simple, vous prenez le magasin Primark, vous multipliez par 3 et vous obtenez le printemps, 9000 mètres carrés, le plus grand des magasins jamais construits sur la côte, pour une seule enseigne. 3 étages à l'intérieur, 150 personnes qui vous y accueillent, et une façade toute particulière, façon nid d'abeille, réalisé par un architecte qui avait du génie, Monsieur Galán Martínez, il est espagnol. La dernière partie, elle est sur notre gauche, tout ensoleillée, c'est le grand jardin public, dénommé Jardin de l'Arboretum. Il est lié, il est totalement sécurisé grâce à toutes les grilles autour, et l'accès se fait uniquement par le tout petit portillon à droite. Arbres. Parmi les arbres les plus plantés, comme on peut le voir à droite, les palmiers, les érables et les platanes. Il y a même des arbres sur les toits des magasins. Toujours notre arrêt le plus haut, ceux qui veulent essayer cette voiture, rien de plus facile, votre permis de conduire.
et se rendre à la boutique Tesla juste à côté de Lacoste. L'essai est totalement gratuit et on ressort avec des sensations fulgurantes. Retour vers le soleil et vers la carte postale de Polygone, le plan d'eau, le guetteur, le casino et la petite rivière du Malvent où la nature a totalement repris ses droits après 3 ans de travaux. Et nous retournons sur notre... À 15h. Alors le casino, c'est le seul qui soit ouvert jusqu'à 4h du matin, tous les jours. Du lundi au dimanche, il était là avant l'arrivée de Polygone et il est toujours là. Il constitue le centre de Polygone. Et juste après, c'est le théâtre de verdure, l'endroit décontracté, zen, pique-nique. La seule grande activité consiste à regarder passer les trains toutes les 10 minutes. Je suis venu.